Bonjour la famille ToraGbet TV et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous parler de comment bien nourrir les brebis et comment bien prendre soin d'eux après leur naissance. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau, je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains contenus. Générique s'il vous plaît. Mais avant tout, voici la question du jour. Quel est le pays le plus vaste au monde? Option A, la Chine. Option B, les USA. Et option C, la Russie. Répondez dans les commentaires avant la fin de cette vidéo, car à la fin, la réponse sera donnée. Choisissez entre A, B ou C. Alors, on commence. Les moutons, après leur mise, elles vont allaiter leurs brebis durant 8 à 9 semaines. Et pendant cette durée, elles vont perdre du poids. Maintenant, pour permettre à ces moutons de rattraper leur forme et d'être encore une nouvelle fois accouplés, vous allez céder les petits de leur maman. Donc vous allez mettre les petits à part et les mamans à part. Là, en ce moment, vous allez prendre soin des petits. Vous allez prendre soin des petits en leur nourrissant. Matin, midi et soir. Et vous n'allez pas amener ces petits au pâturage parce qu'ils ne sont pas encore matures pour qu'ils sortent. Donc vous allez les garder dans leurs enclos et leur donner à manger. Vous allez préparer le pourvoine des moutons. Vous allez préparer des céréales, des sons mélangés. Et puis vous allez couper les herbes pour leur apporter dans leur enclos. Donc ils vont pas se déplacer vers les herbes, mais c'est plutôt vous qui allez vous déplacer vers les herbes et les apporter dans leur enclos pour leur santé. Et en ce moment, ils sont toujours privés des infections internes et externes, des maladies, des virus. Et après 3 ou 4 mois, vous pouvez maintenant commencer par les sortir pour les amener au pâturage comme les autres. Donc, si vous pratiquez ce genre de méthode, vous allez constater que vous n'aurez pas assez de pertes dans vos brebis et vous n'aurez pas assez d'infections. Vos brebis seront aussi toujours en forme. Et surtout, pratiquez beaucoup d'hygiène dans leur enclos, car les brebis ont une peau fragile et les insectes nuisibles peuvent leur attaquer facilement. Donnez-leur de l'eau potable. Une eau souillée peut leur créer des maladies. Donnez-leur de l'eau potable. Les herbes, coupez de la bonne herbe et les feuilles des bonnes plantes pour leur donner, afin qu'ils puissent bien digérer. Et après, lavez toujours leur abreuvoir. Nettoyez toujours leur mangeoire. Le lever là, il est venu aujourd'hui. Nous sommes presque à la fin de la vidéo. Et voici la réponse à la question posée. La réponse est l'option C, la Russie. La Russie est le pays le plus vaste au monde. Sur ce, nous touchons la fin de cette vidéo. Et si vous avez aimé, donnez-nous des pouces bleus pour nous faire plaisir et nous donner le courage de continuer en donnant vos avis dans les commentaires. La prochaine vidéo d'élevage portera sur l'accouplement des moutons. Si vous êtes nouveau, avant de partir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. À très bientôt.